Je m'en réjouis parfois, pour le bien de mon âme. Dans la nuit du cachot, j'ai vu ces deux lumières, le courage et la fraternité. Ô victime, le bourreau qui vous tue fait renaître des hommes. Je suis née à Marseille le 4 mai 1916. Je m'appelle Jacques Licari, j'ai 85 ans. Je suis le général Paul Roland, né à Paris le 1er août 1921. Je m'appelle Pierre Dupuis, je suis né le 10 janvier 1922, à Mars, un petit village de la Loire. Je m'appelle Nicole Rambure, je suis né le 26 octobre 1920. Je suis Monsieur Joseph Jolivet, je suis né le 14 mars 1928. J'ai 107 ans, je suis né à Marseille. Je m'appelle Josette Anthony, mon nom de jeune fille est serré et je suis née en 1922. Je m'appelle Paul Acotilla, je suis née le 18 janvier 1922 à Marseille, rue Sénac. Je m'appelle Raymond Tonon, je suis né le 26 juillet 1926. Alors, je suis Monsieur Roussy Marius. Je suis né le 18 octobre 1922 à Marseille. Je m'appelle Auguste Fossati. Je suis né le 19 septembre 1924 à Marseille. Je m'appelle Eva Tichauer. Je suis né le 26 janvier 1918 à Berlin. Je m'appelle Marie-Louise Jacob Tristadi. Je suis né le 9 juin 1924. Je m'appelle Roger Tardivel. Je suis né le 6 décembre 1921 à Loudéac, dans les Côtes d'Armor. C'est pour sauver le ciel bleu, pour sauver la vie du soleil, pour l'herbe et les arbres, que je suis mort sans espoir de réveil. Hitler nous a obligés à émigrer parce que mes parents ont été radiés du barreau de Berlin dès juillet 1933 et nous avons choisi comme terre d'asile la France, pays des droits de l'homme, de la devise liberté, égalité, fraternité. Pétain nous a dénaturalisés parce que nous avons obtenu notre naturalisation en 1937. Dans ma jeunesse, j'ai fait de la résistance, j'ai été militaire également. J'ai parcouru pas mal de pays avec mon mari et la résistance a été la plus grande expérience de ma vie, voilà. Je suis rentré au lycée de Saint-Étienne en 1940 et j'ai tout de suite opté pour la résistance à l'Allemagne. J'avais donc 18 ans et demi quand le 20 août 1940, revenant d'une livraison que j'avais effectuée pour le compte de mon père, j'ai appris que la Gestapo m'attendait à la maison. Et quand je suis arrivé chez moi, les Gestapo tenaient mon père en joue. En attendant ma rentrée, ils m'ont aussitôt arrêté, menotté. Emprisonné pendant 3 ans, j'ai été déporté pendant 1 année. J'ai été libéré et je suis aujourd'hui le témoin, un des derniers, de cette triste période. La petite porte n'a l'air de rien. Elle s'ouvre, elle se ferme comme toutes les portes. Je pourrais l'ouvrir d'un revers de main. Elle s'ouvre, elle se ferme, sans clou, ni verrou. Bien remarquable, ni redoutable. Elle vous attire avec son air inoffensif, et l'on dirait qu'elle vous fait signe de venir. Mais
si d'un élan impulsif, on voulait en arriver près jusqu'à toucher le loquet, la petite porte qui n'a l'air de rien reculerait dans un monde inaccessible. Elle a des gardiens invisibles partout, et l'on serait, si l'on approchait, une cible criblée de coups. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles. Je ne trahirai pas. Vous ne savez pas le bout de mon courage. Moi, je sais. Vous êtes cinq mains dures avec des bagues. Vous avez aux pieds des chaussures avec des clous. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Demain. Il me faut la nuit pour me résoudre. Il ne me faut pas moins d'une nuit pour renier, pour abjurer, pour trahir. Pour renier mes amis, pour abjurer le pain et le vin, pour trahir la vie, pour mourir. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. La lime est sous le carreau. La lime n'est pas pour le barreau. La lime n'est pas pour le bourreau. La lime est pour mon poignet. Aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Je trahirai demain. Ce cœur qui haïssait la guerre, voilà qu'il bat pour le combat et la bataille. La guerre de 1940, ça fait au moins deux guerres. J'ai commencé à travailler pour le maquis à l'âge de 15 ans. Je me trouvais à Alès. Et j'ai fait ça jusque... en 1944, où j'ai dû rejoindre le maquis, du fait que les personnes avec qui j'étais en relation pour leur transporter des billets avaient été arrêtées. Je suis rentré dans la résistance à l'âge de 21 ans, dans une partie de la Drôme, et je suis rentré dans la résistance à 21 ans et demi dans les Hautes-Alpes. Immédiatement, dès que nous avons été attaqués, j'ai fait partie de la résistance romanaise. Laquelle résistance était de faire des taguer les murs, comme font les jeunes maintenant, à bas Hitler, à mort Pétain, à mort Hitler, à mort... Voilà, on résistait comme ça.
Et puis nous avons été pris en main par des gens plus âgés, nous avons fait vraiment de la résistance intéressante, participé à des parachutages de nuit, divisé le matériel reçu pour le distribuer dans tous les maquis, tous les jeunes qui ne voulaient pas partir en Allemagne. Et en janvier 1944, j'ai reçu un avis des Allemands de me présenter à la rue de Rome pour le service du travail obligatoire. Et la police marseillaise est venue me chercher au bureau où je travaillais, et de là, ils m'ont emmené à la gare. Je suis rentrée dans la résistance par des parents qui habitaient Aix-en-Provence. J'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'officiers parachutés et je me suis mis à leur disposition pour quelquefois donner de la nourriture ou bien alors rendre des services. J'avais une très grande maison à la Roque d'Anthoron et j'ai eu l'occasion de les héberger. Il est toujours tard. Je ne sais quelle est ma frontière avec l'ombre. Cette morsure à ma poitrine, ce n'est pas le froid de la nuit. Ce n'est pas la mer dans les bois qui vient habiter les rumeurs. Une voix monte chaque soir, mais c'est le chant d'un condamné. Neuf balles dans mon chargeur pour venger tous nos frères. Ça fait mal de tuer, c'est la première fois. Sept balles dans mon chargeur, c'était si simple. L'homme qui tirait l'autre nuit, c'était moi. Je fus enfermé dans une cellule en attendant la décision qui serait prise à mon égard. Je dois vous dire que jusqu'à là, je n'avais pas vraiment réalisé de mon fait. Je me rappelais bien effectivement du sabotage que j'avais effectué la veille et qui concernait la coupure d'une installation téléphonique de l'aéroport allemand qui était à Bruyères à côté de chez moi en relation avec le quartier général de Paris. Je dois vous dire que 10 minutes après environ, je me suis écroulé sur la paillasse et j'ai appelé Dieu et ma mère. Après avoir fait des petites missions, les choses sérieuses ont commencé en 1944. J'ai participé à la réception d'un parachutage. J'ai participé à la libération de Marseille au sein du groupe Provence, où malheureusement, 8 de nos camarades ont été tués et 7 autres blessés. Nous avions des possibilités d'imprimer un journal à 15 000 exemplaires, un journal qui s'appelait le 93, avec des amis, des professeurs également. Par la suite, je suis rentré au réseau Mitridate, où j'ai eu des grosses responsabilités et finalement j'ai été arrêté avec tout le réseau à Lyon au mois d'octobre 1943. Nous avons participé à la libération de Alès et de Nîmes, où j'ai été pris dans une embuscade à Eusey-les-Bains. Nous étions environ 25-26 personnes et nous sommes restés 3 survivants après l'attaque. Les Allemands nous avaient attaqués au lance-flammes, à la suite de quoi j'ai signé un engagement pour la durée de la guerre mondiale et je suis parti avec le commandant Audibert avec le bataillon de marche de Nîmes. Nous avons rejoint l'Alsace où on nous a incorporés dans l'armée régulière. Voilà, alors suite aux engagements que j'avais dans la résistance, agent de liaison, tout ça, j'ai fait le contact avec la résistance des Basses-Alpes, côté de Barème, dans les Basses-Alpes. Et à mon retour, j'ai été arrêté par un officier allemand avec mon chef. Et la suite, bon, il y a eu
l'internement à la Gestapo à Digne, et puis l'internement à la prison des Baumettes, et ensuite la déportation. Voilà. Là, on a roulé pendant 3 jours et 2 nuits, et nous sommes arrivés à Buchenwald, en Basse-Silésie. Il y avait une quarantaine de chambres, même plus, il y avait de tout. L'origine des Russes, des Ukrainiens, des Hollandais, il y avait de tout. Depuis 2 jours, le train semble tourner en rond dans un pays qui ne doit plus être le nôtre. Debout, homme 40, lit-on, et nous sommes 120. Sans eau, sans air, la folie naît, la panique. Le bruit du train n'est plus pour moi que ces 3 mots inlassablement répétés. Je fus transféré au siège de la Gestapo, rue des Saussets, à Paris, où là, le traitement fut tout à fait autre chose, puisque j'ai subi les sévices en vigueur appliqués par ces services nazis. Par la suite, j'ai été déporté en Allemagne en 1944, au début 1944, affecté au camp de Buchenwald d'abord, et puis ensuite au camp de Dora, où l'on fabriquait des V2. De plus, j'ai été à Bergen-Belsen, le dernier camp où j'ai été, et j'ai fini malade avec le typhus, et lorsque j'ai été libéré, je pesais environ 35 kilos. Devenait difficile parce que les noms commençaient à courir parmi la police, jusqu'au jour où nous avons reçu l'ordre de partir au maquis, quand l'ordre a été donné du débarquement. C'est-à-dire que nous attendions, enfin, surtout nos supérieurs, mais qui devaient nous les remettre, attendaient le signal d'Alger ou le signal d'Amérique en disant nous allons débarquer. On attendait donc le mot de passe. Le chamois a bondi. Quand ce mot de passe est passé dans des radiodiffusions brouillées avec un bruit, tout était épouvantable. Les Allemands faisaient tout pour brouiller ces discussions pour qu'on ne les entende pas. On a réussi quand même à comprendre que c'était le 6 juin que nous partions au maquis. De ce jour-là, il a fallu avertir nos familles. Voilà, j'ai un souvenir qui me restera toute ma vie. C'est mon frère qui, sur le morceau de pain qu'on nous avait donné avant de partir, qu'on avait partagé, avait gardé dans sa poche pour le 26 juillet un petit morceau. Et le 26 juillet au soir, devant tous les copains, en pleine cambrousse dans le Vercors, les montagnes cachées, il m'appelle, il me dit « Petit frère, viens là ». Il m'avait apporté à la main droite une fleur, à la main gauche un morceau de pain qu'il avait gardé. Et il me dit « Bon anniversaire, petit frère, je venais d'avoir mes 18 ans, là, à côté de lui, et on avait faim. » Mon père a été arrêté avec les notables juifs encore le 12 décembre 1941. Et il est parti à Auschwitz dans le premier convoi de Compiègne. Le 27 mars 1942, décédé à Auschwitz le 6 avril. Ma mère et moi avons été raflés lors de la grande rafle le 16 juillet 1942, dite du Veldiv, et via Drancy, nous avons été déportés à Birkenau dans le 36e convoi. Ma mère, qui avait 50 ans à notre arrivée à Birkenau, n'est pas entrée au camp.
J'ai survécu seul jusqu'en 1945, où j'ai de nouveau choisi la France. Les temps ne sont plus aux larmes, au regret de ce qui fut. Nous avons reçu pour armes l'espérance et le refus. Quand bien même tous les êtres que j'aime viendraient à mourir, seraient morts me laissant seul à seul, comme serait morte à jamais si grouillante la terre, quand bien même, éteint astre phare et foyer, et toi de mon amour éternité, si la nuit des nuits écrasait le monde de son pampre touffu de ténèbres glacées, quand bien même plus un souffle de vie, hormis le mien, plus solitaire que le néant et plus menacé, quand bien même l'irrémédiable carcasse, rien, alors dans cet univers pétrifié, mes lèvres forgeraient d'or le nom d'une aurore nouvelle.